Bonjour les viewers de YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto encore une fois qui était un petit peu attendu, celui du Jarl, et on est en direct avec Hulk. Salut Hulk. Salut. Donc voilà, j'ai pas trouvé d'autres Jarls, enfin si j'avais d'autres Jarls, mais comment dire, il ne pouvait pas faire le tuto avec moi. Et Hulk, comme il mène également le Jarl après son Kensei, bah voilà, j'ai invité Hulk pour qu'on puisse parler de ce personnage. Alors comme d'habitude, trois catégories, enfin trois chapitres, l'histoire, les combos, et après on parlera de la vie en général du Jarl. Alors concernant son histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que un Jarl, c'est un chef de, en gros, de village, on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que c'était pas considéré comme un roi. Ça peut, on va dire, à la française, ça peut être comme un comte ou un duc. Si vous préférez. En gros, un maire de village. On va dire ça comme ça. Il pouvait être un viking pouvait être jarl que par naissance. Ou, si je dis pas de bêtises, c'est avec ce que j'ai lu, hein, un viking qui tue le jarl de son village pouvait prendre sa place. Il pouvait le défier. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jarl a une place très importante dans la. J'ai pas le mot. Communauté. Merci. Dans la communauté viking, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est lui qui guide son village. C'est-à-dire que si son village, son peuple, en fait, les personnes qui sont en dessous de lui doivent survivre, partir en raid, exploration, etc., etc., c'est grâce à lui. C'est lui qui prend les décisions et personne d'autre. Concernant l'histoire elle-même des Jarls, il y a eu beaucoup de Jarls en Scandinavie, en Norvège. Et en Écosse. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y en a même eu apparemment en Sicile normande, avec le Jarl Rogeir, je sais pas comment ça se prononce. On l'appelait Roger Ier de Sicile. Apparemment, il était considéré comme un jarl. Je ne sais pas si c'était viking, mais en tout cas, apparemment, il portait le grade de jarl. Que dire de plus? Que dire de plus sur le jarl en lui-même? Bah rien. Ce sera tout. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur l'histoire du jarl, surtout qu'en plus, trouver quelque chose sur lui est assez compliqué. Parce que Wikipédia nous sort des trucs pour aller loin, très loin, mais nous dit pas grand-chose sur le truc du Jarl en question. Et j'ai dû peaufiner un peu plus pour essayer de trouver des éléments qui pourraient vous intéresser. Donc on va se retrouver tout de suite en 1v1 contre Hulk. Donc comme d'habitude, j'ai désactivé les dégâts, il va vous parler des combos, etc., etc. Donc bah Hulk, bah, c'est à toi. Oui. Bon, bof, après le Jarl, il n'y a pas non plus exceptionnellement grand chose à dire dessus, à part le fait qu'il faut savoir que il peut se jouer offensif comme défensif. Bon, malheureusement, la plupart des Jarls sont plus défensifs qu'offensifs. Que vous pouvez gagner avec votre Jarl sans spam le coup de tête comme un Mongol, Mongol. on peut le dire, on peut le dire, on peut le dire, c'est des Mongols. Mais bon, donc voilà, après ces combos sont pas non plus très nombreux, je voudrais. Enfin. Et les combos de base du Jarl sont simples, c'est attaque légère, attaque lourde ou attaque lourde, attaque légère. Voilà, là je viens de vous citer tous les combos du Jarl. Bon, y a pas que Toutefois, celui-là. après c'est des particularités. Donc avec le Jarl, Oh, vous avez la garde totale, moi je m'en sers jamais. Mais vraiment, quand je dis jamais, c'est jamais. bah, y en a qui font des, je sais pas si on peut appeler ça des déflects avec le bouclier, quoi. Ouais, mais alors pour ça, ben pour le Jarl, donc faut savoir que le coup léger est relativement rapide, donc vous pouvez vous amuser à enchaîner vos adversaires comme ça, et vous pouvez le faire suivre donc d'un coup lourd. Le coup lourd, donc vous remarquerez que j'apparais en blanc, c'est parce que je deviens imbloquable. Si on me tape pendant mon attaque lourde, ça va pas m'arrêter, donc je vais pouvoir quand même caler le lourd. Chose qui peut être sympa avec le Jarl, c'est de faire la première light dans le vent. Pour faire la light derrière dans la tronche de l'adversaire. La plupart des gens voient que vous avez raté une attaque et du coup ils essayent d'en profiter pour vous taper. Sauf que derrière il y a une heavy et la heavy du Jarl, quand vous la prenez, et eh ben ça pardonne pas. Ensuite, pour les Jarls qui jouent un peu plus défensif, donc au niveau des blocages et des parades. Bon, oui, attends, pour jouer agressif. Ah oui, non, j'ai oublié. Pour jouer agressif, vous pouvez faire esquive, brise-garde.
voilà, ça fait un coup de tête que vous pouvez suivre du petit coup. Voilà. Et voilà. L'autre truc aussi qu'il faut dire, le saut coup de tête là. Ouais, je l'ai pas dit, mais ça, évitez, ouais, parce que tout le monde le part. C'est voilà. En fait, c'est le dash attaque lourde. Voilà, c'est. Bon, c'est... il existe, mais ne le faites montre-le pas. Montre-le complètement, parce que je te pars, mais montre-le complètement en fait. Ouais, bah, hop, coup de tête, hop, petit coup. Voilà. Voilà, c'est ce que. Vous pouvez enchaîner comme ça. Vous avez l'AOE du Yarl, relativement rapide, on va dire. Et qui fait mal. Et qui fait mal. Ensuite, le reste, c'est des donc c'est des atouts défensifs. Donc, vas-y, donc attaque-moi. Vas-y. Voilà, donc ça, c'était une Heavy. Comme je vous ai dit, il m'a tapé dedans et il l'a prise. Maintenant, je vais essayer de parer. Hop. Voilà, donc là, j'ai raté, mais en gros, si vous faites un brise-garde, donc c'est très rapide hein, ce qu'il faut faire. Donc, il faut... Vas-y. Alors, faut parer et brise-garde en même temps, et vous avez ce que j'appelle la riposte du Yar. Vas-y, encore. Hop, voilà. Ça stun, et donc après ça, vous pouvez, si vous le timez bien, caler une petite light comme le coup de tête, c'est-à-dire ce petit coup. Soit caler une heavy qui partira forcément du même côté, mais généralement les gens vont se la manger. Vas-y. Non, ça c'était raté. Je vous dis, c'est pas facile. Hop, voilà, et une heavy. Boum. Donc ça, c'était pour ce que j'appelle. Pas beaucoup faire ça. Hein. Moi, les yards que je veux faire ça, ils sont défense totale. Ah bah, c'est pourtant la riposte. Donc comme je dis, donc le coup de bouclier qui stun. Enfin, ce coup de bouclier là, tu peux le faire que après une parade. D'accord. Autre chose qu'il faut savoir sur le Yarl, peu de Yarl le savent. Alors comment tu... Alors par contre, parce que moi le premier, je sais pas comment tu fais. C'est-à-dire, tu fais une parade et je brise-garde tout de suite. D'accord, ok. Mais vraiment tout de suite, hein. Si tu attends ne serait-ce qu'une seconde, tu vas juste faire le brise-garde classique comme ça. D'accord. D'ailleurs, en parlant de brise-garde, le Yarl, pour ceux qui savent pas, c'est un déménageur. Voilà. Je peux déplacer des objets sur des kilomètres comme ça. Alors, autre chose sur le Yarl, si vous arrivez à brise-garde votre adversaire, ne faites pas une latérale. Voilà. Sinon, elle est bloquée. C'est toujours la haute. Celle-là, il pourra pas la bloquer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ça? Ah oui. Vas-y, donc, attaque-moi. Voilà. Le Yarl, il a un blocage supérieur sur ses lights. Jésus. Bon, bah, il le bloque. Mais généralement, ça. Vous pouvez... Voilà. Essaye une heavy plutôt, du coup. Voilà. Voilà, ça c'est le blocage supérieur du Yarl. Le blocage supérieur du Yarl, c'est comme celui de la Warden. Il suffit de taper avec. Enfin, de parer en fait avec une light plutôt qu'une heavy. La Valkyrie là aussi. Oui, voilà, mais il faut que ça soit sur les. Faut que ça soit sur les lourdes comme toi. Mais donc voilà, ça c'était le blocage supérieur du Yarl. Donc après, vous pouvez. Enfin, ça c'est un peu tout quoi, mais en gros, si vous voulez jouer blocage total, vas-y, tape dedans. Normalement derrière on peut. Comme je m'en sers pas du blocage, ça va être très moche. Vas-y. Attends. Ouais, mais faut que j'attende que ma stamina. Parce que ça consomme la stamina. Normalement si je bloque un coup comme ça. Vas-y. Ouais, bon. Faut savoir qu'il y a un coup, donc avec le Yarl, si vous bloquez en stance comme ça, vous pouvez faire une light derrière. Voilà, comme ça. Donc ça c'est un coup, c'est un coup avec le blocage total. Sinon vous avez voilà, vous avez ce coup là, c'est le blocage total attaque lourde, pourquoi pas, mais bon, c'est des coups que vous reverrez jamais hein. Donc voilà, ça c'était les combos d'un Yarl pour l'instant. Et il y a un autre à dire sur la façon de jouer ou... pas vraiment en fait, soit vous jouez relativement agressif et je vous dis, vous mettez des lights dans le vent et vie, soit vous parez et vous faites le brise garde normal et vie. Soit vous parez, vous faites donc la riposte du Yarl. Vas-y. Voilà, vous vous servez aussi de l'imbloquable, ça marche. Voilà, hop, boum, heavy. Vous pouvez. N'hésitez pas sur la OE. Mais voilà, le Yarl, c'est pas. Après, vous pouvez jouer en méta turtle. Hein. Donc, c'est un Yarl. Donc, vous bloquez tout. Voilà, et puis vous attendez la revenge. Faut savoir que sous revenge, le Yarl, le coup de tête, comme ça, fait tomber. Donc. Vous pouvez le spammer comme un bon vortex qui se doit sur For Honor.
Bah ouais, voilà, pour le lien, c'est faut pas le spammer. C'est moche. C'est des... Sur Fortnite, c'est sur Fortnite. Enfin, sur quand t'es en mode Riven, j'ai encore, mais les mecs qui jouent. Mais on dira ça dans le troisième chapitre, en mode avis. Ouais. Mais voilà, donc le combo du Jarl, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Malheureusement, le Jarl n'est pas doté de beaucoup de feintes. Vous pouvez feinter, hein, mais bon. D'accord. Et ben, on va s'arrêter là. Ouais. Et on va partir sur donc les avis. Donc, comme les autres vidéos, moi je vais commencer par donner mon petit avis et Hulk donnera son avis un peu plus complet en sachant que c'est un avis, on essaie le plus objectif possible. Alors pour moi, le Jarl est un très bon perso. Il a de très bonnes qualités. Niveau faiblesse, j'en connais pas beaucoup. D'accord. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il tombe beaucoup et qu'il fait très mal. Je le dis sur mon live et je le redis sur cette vidéo. Pour moi, les joueurs qui spamment le coup de tête, pas en mode revenge, en mode normal, sont pour moi des gros mongols qui ne savent pas jouer leur classe et qui cherchent la facilité, comme on peut le voir sur beaucoup de classes. Et je pèse mes mots. Ça nique juste le gameplay et ça fait fuir les joueurs. Maintenant, après, le Jarl pour moi est un perso assez complet. Pour un tank, je trouve qu'il fait beaucoup de dégâts. Et encore plus en mode revenge. Mais même pas en mode revenge, pour un tank, je trouve qu'il fait quand même masse damage. Et vous rajoutez à ça, bien sûr, que bah, avec ses évis, il est inarrêtable, en gros. C'est-à-dire que vous pouvez le taper, et voilà. C'est comme un peu, en gros, le passif du Shugoki, quoi. Donc je trouve ça quand même, pour moi, je dirais pas complètement pété, mais il a de gros atouts, et c'est l'un des persos les plus joués, c'est pas pour rien. Voilà pour mon avis, qui est... J'espère objectif. Je te laisse la parole, Nick. Bon bah, vis-à-vis du Jarl, je rejoins exactement les mêmes paroles. Hein. Le Jarl, il n'y a pas beaucoup grand chose à dire dessus. C'est un perso qui tank, c'est un perso qui fait mal. C'est un perso qu'on peut jouer intelligemment tout en faisant masse dégâts et kill. Bon, après, c'est dommage que la communauté, comme on dit, la plupart ne sont là que pour spam comme des retards à fond le coup de tête. Ça marche, mais c'est complètement débile. Tu peux jouer autrement que comme ça, mais apparemment les gens ne le savent pas. Mais sinon, ouais, non, le Jarl, un bon Jarl, donc un Jarl qui ne spamme pas à coup de tête, qui joue à moitié défensif, à moitié agressif, peut faire de grandes choses, je pense. Enfin, c'est un peu comme ça que je le joue et j'ai aucun souci avec mon Jarl. C'est quand tu sais mixer entre la parade et de l'agressif, il y a moyen pour qu'avec ton Jarl, t'ailles long. Tout en servant bien sûr du déménagement du Jarl. C'est jeter dans le vide quand t'es en dominion. Bon bah c'est... Bah moi, comme j'ai toujours dit, quand t'es en 1v1, évite de pousser dans le vide. T'es en 1v1, fight. Par contre, ouais, les mecs ils sont à 2 voire à 3 contre ta gueule. Bon bah vas-y, voilà, pousse, c'est ça, quoi. C'est... T'as un Jarl dans les mains, pousse mon gars, quoi. C'est... Quand t'es en dominion, n'hésite pas à te servir du déménageur. Enfin... Mais bon. Voilà, après pour le Jarl, ouais, moi comme j'ai dit, c'est un perso... Pour moi il est pas équilibré. Il tanque beaucoup pour les gros dégâts qu'il fait. En fait, les gros dégâts que tu vois, c'est surtout le fait qu'il a un passif qui augmente de 10% ses dégâts en dominion. Justement, je voulais en parler de ça. Généralement, je ne dis pas les skills dans mes tutos jusqu'à maintenant, parce que chacun joue ce qu'il veut. Par contre, avec le Jarl, je peux, moi qui l'ai un peu joué, hein, j'ai un prestige 3, je le maine pas, mais je l'ai un peu joué quand même, j'en ai un full stuff. Je vous conseille, et je pense que Hulk ne me contredira pas, c'est de jouer full passif. Bah oui. Voilà, c'est de jouer un Jarl full passif. Vous n'avez pas besoin de compétences sur un Jarl. Surtout qu'en plus, il a des passifs qui le rendent encore plus pété qu'il ne l'est déjà de base. C'est clair. Bah, rien que la réanimation auto en 4. Voilà. Puis les dégâts au niveau 1. Ah bah les dégâts au niveau 1, c'est 10% de dégâts en plus, donc c'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils font mal, quoi. C'est juste le passif qui rajoute masse dégâts. Ouais, mais bon, même 10%, quand tu calcules, c'est beaucoup, mais c'est pas non plus énorme, quoi. C'est pas fou. Bah ça permet de one-shot un gars qui a la régène, qui a la petite régène de barre de vie avec une Evie, quoi. Voilà. Enfin voilà, je pense que pour moi c'est tout. T'as quelque chose à rajouter sur le... Non, bah le Jarl, le Chuis, bah voilà, c'est un perso, il est là, il est puissant, il est fort, il a énormément de capacités. Bon après les gens spamment le coup de tête, c'est moche, c'est dégueulasse, ça tue la classe. Voilà, c'est... Alors que clairement, vous pouvez le jouer sans coup de tête et vous allez faire la même chose qu'un mec qui spamme coup de tête. Hein. Un peu moins facile. Ah bah si vous maîtrisez les parades, par contre, avec le Jarl, vous allez avoir aucun souci. Enfin voilà,
Bon, bah si c'est tout, on va s'arrêter là, en espérant que ce petit tuto vous aidera. À savoir, hein, comme chaque tuto, je le dis pas chaque fois, mais n'hésitez pas à venir sur mon live pour poser des questions aux joueurs qui ont fait des tutos avec moi. Ils sont souvent avec moi, hein, que ce soit Hulk, Ash, Oni et ceux qui vont suivre. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à venir sur le live pour les poser. En attendant, je vous fais des gros bisous. J'espère que, comme d'hab, mes tutos vous serviront et que ça vous plaira. On se retrouve, bah là, j'ai terminé mon live il y a 3 quarts d'heure à peu près. On est le vendredi matin. On se retrouve donc, mes viewers, on se retrouve lundi. Et je vous fais des bisous encore une fois. On remercie Hulk et un bon week-end à tous. Ciao, ciao. Ouais. Ciao.